mal partout. Et c'est vrai qu'après la séance, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, en tout cas, ça relâche le muscle en profondeur et c'est ce qui est le plus difficile. Et là, je viens juste de sortir d'une séance de pression continue profonde qui m'a fait un bien extraordinaire et vraiment je le recommande parce que ça dure pas très longtemps et c'est beaucoup plus efficace que les massages. Donc vraiment une séance à recommander. Venant aux étoiles du sport, je ne connaissais pas du tout la PCP, donc la pression continue profonde. On en a parlé et du coup j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait. Et j'ai été bluffé parce que du coup, avec ma pratique sportive, mes genoux sont très souvent sollicités et j'ai des problèmes de tendinite récurrente. Donc c'est très handicapant pour ma pratique sportive. Et en une heure, j'ai senti directement les bénéfices sur mon corps. Donc on l'a fait sur différents chefs musculaires, j'ai eu droit au quadriceps, aux ischios jambiers, sur les mollets fessiers aussi. Ça a été très 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 efficace. Et pendant les étoiles du sport, je me suis lancé le défi de faire la Yeti Race, ce rêve de 20 km avec 1000 mètres de dénivelé positif, et tout ça sans entraînement, sans avoir couru avant. Donc j'ai réussi à finir ces 20 km, mais ça a été très compliqué puisque pendant beaucoup de crampes, beaucoup de contractures. Donc après la course, j'avais vraiment du mal à marcher, sensation de jambes très lourdes, comme si un peu on m'avait tapé les jambes, quoi, hein, sensation vraiment de contracturer. Et puis, une première séance de PCP de 3 quarts d'heure sur l'ensemble du corps. Et j'ai ressenti immédiatement les bienfaits, mais c'est tout de suite, hein, c'est dès qu'on descend de la table, c'est de toute façon une sensation d'être déjà plus léger. Le pas sur le sol beaucoup moins lourd. Bah voilà, je viens d'exercer la technique des pressions-compressions. Et sur la séance d'une heure, qui était principalement basée sur les jambes, suite à un raid assez costaud, j'ai vraiment senti un relâchement musculaire très important. J'ai retrouvé des sensations sur les muscles que je n'avais pas avant la séance. Et voilà, sur mon parcours professionnel, j'ai rarement eu cette sensation de bien-être et de libération des muscles. Et j'ai découvert la PCP thérapie il y a 2 ans aux étoiles du sport, et notamment sur un genou, mon genou gauche qui a été plusieurs fois opéré, au moins 5 fois à l'époque. Et même au bout d'une séance de 20 minutes, j'ai déjà senti un relâchement que j'arrive pas à retrouver avec une manière manuelle ou alors ne serait-ce que sur des étirements ou des postures. Donc ça me fait vraiment du bien. Au niveau de la récupération. Au niveau de la récupération, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de la flexibilité, au niveau des articulations, tendons, et en travaillant justement sur cette pression très profonde au niveau musculaire, tendineux et autour des articulations, ben, je retrouve une détente totale, quoi. Donc c'est vraiment là où j'ai envie de continuer ce traitement-là. Et donc aujourd'hui, j'ai testé pour la première fois la PCP thérapie. Et j'avoue que j'avais été quand même très agréablement surpris, impressionné même, de voir avec quelle rapidité on arrive à détendre de grosses tensions. Parce que hier j'ai fait un raid, et donc j'ai fait un effort assez violent et surtout exceptionnel pour moi. Je ne suis pas forcément habitué à cet effort-là. Et donc voilà, j'avais un peu les jambes transformées en bout de bois, et je ne pouvais plus trop bouger. Et là en 45 minutes, c'est vrai que je sens que mes jambes se sont vraiment détendues. On a réussi à relâcher les muscles. Et bon voilà, pour avoir été sportif de haut niveau, je sais qu'il y a pas mal de méthodes qui sont assez douloureuses. Et là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est pas du tout douloureux. On est vraiment dans la détente. Donc voilà, c'est une révélation. Merci. Et depuis un an et demi, maintenant, j'ai une tendinite de l'insertion du fascia lata. Et bien, ce que m'a fait Mélanie m'a vraiment soulagée, enfin, parce que ça fait plus d'un an et demi que je traîne ça et que j'arrive pas, même par des séances de kiné, j'arrive vraiment pas à avoir moins de douleur et à soulager, être bien équilibrée, être bien posée sur mes pieds, être bien dans ma posture. Et là, j'ai vraiment ressenti, dès la première séance,
les bienfaits. Dans le tennis, on ne connaît pas la durée des matchs, ça peut être des matchs très très longs avec parfois deux matchs dans la journée, donc beaucoup de répétitions. C'est un moyen aussi, l'appareil n'est pas très volumineux, donc on peut l'emmener partout. Et effectivement, je crois que c'est une méthode qui pourrait vraiment se développer dans le sport et plus précisément dans le tennis. Je dirais que ça serait plutôt en première approche après effort. Je verrais bien ça tout de suite après effort. Et puis, en complément, bien sûr, continuer des massages peut-être plus relaxants. Mais je pense que c'est une technique effectivement qui est complémentaire dans un processus de récupération. Je pense que ça peut être bénéfique aux sportifs de haut niveau entre les entraînements de haute intensité lors de journées où on fait du bi-quotidien, c'est-à-dire deux entraînements par jour. La PCP thérapie, c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui nous permet de récupérer quasiment instantanément. Je veux dire, après avoir fait un effort, faire une séance de PCP thérapie, c'est quelque chose qui peut être bien parce que ça permet, voilà, de récupérer mieux dans l'instant pour pouvoir justement accumuler les charges de travail au quotidien. L'intérêt, il n'est pas que chez les basketteurs, mais dans tous les sports. Mais en l'occurrence, de ce que je connais, effectivement, on peut sortir avec, après des entraînements physiques ou même des prépas intenses avec pas mal de courbatures. Et c'est vrai qu'au moins dans le terme de récup, on gagne énormément de temps. Donc c'est surtout sur des périodes de compétition intense de pouvoir avoir un gain de temps beaucoup plus important sur la récup.